Salut tout le monde, alors bienvenue au live que j'appelle le mardi du coach Kev. Alors j'espère que vous avez une bonne journée jusqu'à maintenant. Alors comme j'avais mentionné la semaine passée, j'ai fait des changements dans ma vie que je veux partager avec vous de façon à ce que vous puissiez être en route vers votre succès. Donc ce live-là, je le ferai à chaque deuxième mardi du mois que j'appelle le mardi du coach Kev. Alors, est-ce que vous êtes frustré de votre vie? Hein? Salut Tati, ça va bien? Alors, êtes-vous frustré de votre vie? Êtes-vous frustré de certains éléments que vous trouvez importants dans votre vie? Moi, je l'étais il y a quelques mois. Alors, c'est pour ça que je ferai ce live-là pour partager des choses que je fais à tous les jours, que vous pouvez faire aussi à tous les jours, ou vous pouvez faire toute autre chose, une manière de partager de façon, comme je disais tout à l'heure, d'atteindre notre succès. Yes, Tati, it's great. Thank you. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai fait un test de personnalité, le DISC qu'on appelle. Et j'ai découvert que mon trait de personnalité principal, mon super pouvoir, est S pour stabilité. Ou pour ceux qui fonctionnent avec les couleurs, c'est le vert. Alors, à quoi consiste ce trait de personnalité-là? C'est comment on rythme et on cadence les choses dans notre environnement. Alors, c'est mon super pouvoir. Je suis à 99 naturellement. Alors, c'est pour ça que j'étudie depuis quelques semaines, je peux dire, ma personnalité de façon à pouvoir atteindre mon succès. Et une des recommandations qui m'avait été faite suite à ce test, dans ce test-là de Inner Matrix, c'est d'avoir un environnement avec peu de changements ou peu de crises. Et c'est une fois que j'ai regardé le rapport au complet que j'ai réalisé que depuis quelques mois, j'ai fait des changements parce que, évidemment, ça ne fonctionnait pas pour moi et j'avais un environnement qui avait beaucoup trop de changements, beaucoup trop de crises et je continue à travailler là-dessus. Alors c'est pour ça que je veux partager quelques exemples que j'ai fait professionnellement. Je ne rentrerai pas dans tous les détails pour le respect des personnes qui sont impliquées. Je vois présentement qu'il y a quelques mois, j'étais dans un environnement où est-ce qu'il y avait beaucoup trop de changements, beaucoup trop de crises j'ai dû faire un changement drastique professionnellement. Alors, je vais juste passer l'annonce ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû changer d'emploi, j'ai dû changer mon horaire. Je remercie toutes les personnes qui ont été impliquées avant, pendant et après ce changement-là. Je suis encore à très bon terme avec ces personnes-là et j'apprécie ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils feront dans ma vie. Et en faisant ces changements-là, je me suis senti mieux. Ça qu'a fait, frérot, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai fait ces changements-là et pour le mieux. Et je me rends compte que même avant d'appliquer les résultats, ce qui m'avait été conseillé, j'avais déjà commencé ces étapes-là sans le savoir. Et ça explique pourquoi je ne me sentais pas bien à ce moment-là. Donc, ça, c'est du côté professionnel. Côté personnel, mon entourage, j'ai dû couper des activités. J'ai dû malheureusement couper certaines personnes très proches de moi de ma vie. J'ai dû couper certaines activités qui ne concordaient pas avec ce que je voulais faire en bout de ligne. Donc j'ai dû faire un nettoyage et je continue encore à le faire. Ce qui ne veut pas dire en passant que si ça fait quelques temps vous n'avez pas eu de nouvelles de moi, vous n'avez pas entendu de mes nouvelles autant que je le faisais avant, ce qui ne vous est pas... Ça ne veut pas dire que vous êtes une des personnes visées qui m'empêchait d'atteindre mon succès. Mais il y a des personnes malheureusement que j'ai dû diminuer tranquillement
mes interactions avec eux, avec elles. Et il y en a d'autres que j'ai beaucoup amplifié. Il y en a d'autres qui n'ont pas changé. Et ce sont deux exemples de choses que j'ai dû faire, que je fais et que je continuerai à faire dans le but d'atteindre mon succès. Donc, c'est mon vlog rapide du deuxième mardi, le vlog mardi du coach Kev. Je suis coach en concentration des enfants. Je me concentre aussi beaucoup plus à mon projet de Père la Boule, d'animation pour les enfants aussi. Donc, tout ça pour le mieux. Mais après tout ce blabla que je viens de faire, la question importante, c'est quel est votre trait de personnalité? C'est extrêmement important de savoir qui vous êtes. Parce qu'en sachant qui vous êtes, vous saurez quoi faire pour atteindre votre succès. Alors, faites n'importe quel test de personnalité. Il y en a plein gratuits disponibles. J'en ai mis un dans la description sur le live de Facebook. Il y a plein de tests de personnalité gratuits disponibles sur Internet. Si vous allez sur le site de ET, c'est Eric Thomas, c'est le meilleur, meilleure personnalité de motivation au monde. C'est le meilleur. Et c'est grâce à lui que j'ai fait ce test-là pour être où est-ce que je suis et où est-ce que j'ai l'intention d'être dans très bientôt. Salut Yannick, j'espère que tu vas bien. Donc, je disais, faites un test de personnalité. Vous devez vous connaître, vous, pour savoir ce que vous devez faire pour atteindre votre succès. Et c'est ce que j'ai fait intentionnellement, sans vraiment me concentrer sur le test de personnalité que j'ai fait. C'est ce que je fais présentement et je continuerai de faire jusqu'à la fin des jours. Donc, vous pouvez suivre mon parcours et beaucoup d'autres choses en allant sur mon blog kevinraphael.com. Le lien est dans la description Facebook. Et pour ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez cliquer dans le lien dans la bio pour avoir accès à mon blog. Et je vous remercie encore d'avoir pris du temps de regarder la vidéo. Et concentrez-vous sur vous. Apprenez qui vous êtes. Faites ce que vous avez, faites ce qui est naturel pour vous. Concentrez-vous sur ça de façon à atteindre votre succès. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et pour le prochain vlog, ça sera le deuxième mardi du mois d'octobre. Nous sommes déjà en septembre. Ciao tout le monde.